je vais cacher mon visage. Il y a plein de filles, au fait. Donc, je pense pas qu'il va me reconnaître. Les seins ne me diraient. Je cache mon visage d'abord. Ah, ok. C'est mon visage caché. Là-bas, tout le monde voit. Si je cache mon visage, on ne peut pas m'identifier facilement. Le visage est un peu ma position. Ah bon? Bonjour, chérie. Bonjour, madame. Comment vous allez? Ça va super bien, merci. Ah, ok. Ce matin, j'ai une petite question pour vous. J'aimerais savoir, si un garçon vous surprend toute nue, qu'est-ce que vous allez cacher en premier? Un garçon que vous ne connaissez pas, qui n'est pas votre frère, qui n'est pas votre chéri? Bon, pour un garçon qui ne me connaît pas, je vais cacher mon visage. Vu que on ne se connaît pas, s'il n'a pas vu mon visage, il ne saura pas qu'il a vu nu au fait. Mais va voir dans mon fesse même. Mais si je cache autre chose, il saura que c'est moi prochainement. S'il me voit dans la rue, il reconnaîtra le visage. Voilà, donc je préfère cacher mon visage. Ah d'accord, donc pour ça, pour ne pas qu'il vous voit dans la rue et puis il dit, ah cette fille-là, c'est elle que j'ai trouvée nue dans la douche. Vous préférez... Exactement. Je vais cacher mon visage. Vous préférez cacher le visage. Ouais. Parce que si je suis habillée, bon, il y a plein de filles au fait. Donc je ne pense pas qu'il va me reconnaître. Pourtant si je casse mon visage, il ne saura jamais que c'est moi. Ah bon, c'est ça, ouais. Je pense. Ok, merci. C'était tout pour aujourd'hui. D'accord. Si on se dit au revoir, bonne journée. Bonne journée à vous également. Merci. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous allez? Oui, ça va, et chez vous? Ça va bien, merci. Ce matin, j'ai une petite question pour vous. J'aimerais savoir si un gars vous surprend nu, un gars qui n'est pas votre chéri, qui n'est pas votre frère, qui vous surprend nu, qu'est-ce que vous allez cacher en premier? Bon, moi, si un gars me surprend nu, c'est d'abord mon sexe, je vais cacher. Ton sexe? Oui, parce que les seins ne me diraient. Ah bon? Oui. Tu n'as pas pensé à ton visage? Non, mon visage ne me dit rien. Ces gens, bon, s'ils veulent me filmer, là, il y a un autre cas. C'est pas normal? Mais s'ils ne veulent pas me filmer, mon visage ne me dit rien. Mais s'ils veulent me filmer sur mon visage, je vais cacher. Mm-hmm. Parce que c'est pas après, c'est pour faire quoi avec ma photo ou bien la vidéo, je ne sais pas. Chai! Mais en cachant le sexe, facilement prendre ta photo, prendre le visage. Non, ça dépend, c'est ce que je dis. Peut-être quelqu'un d'autre peut faire ça. Peut-être qu'il est venu faire ça pour une vengeance. Je ne sais pas. S'il est venu faire ça pour une vengeance, je cache mon visage d'abord. Ah, ok. Mais s'il n'est pas venu faire ça pour une vengeance, c'est mon sexe d'abord, je protège. Parce que ça dépend. D'autres peuvent venir faire ça par vengeance pour publier vos photos, pour vous faire du mal. Bon, là, je ne sais pas. Ah, donc dans votre cas, vous allez d'abord cacher le sexe. Oui, c'est ça qui m'importe d'abord. Ok. C'est ça qui vous importe. Même si elle fait enfant, l'enfant veut têter partout, je donne merci. Mais si ce n'est pas le cas, je cache mon visage. Ok, merci pour votre avis. Merci. On se dit au revoir. À la prochaine. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment vous allez? Comment? Ok, ce soir, j'ai une petite question pour vous. Voilà. Si un homme te surprend nu, un homme qui n'est pas ton frère, qui n'est pas ton chéri, qu'est-ce que tu vas cacher en premier? Mon visage. Ton visage? Caché, oui. Pourquoi le visage? Ah, c'est un peu honteux. Mais tu vois, c'est comment? Point d'interrogation. C'est un peu honteux. Ah. Donc pour ça, tu as caché ton visage? Oui, c'est mon visage caché. Là-bas, tout le monde voit. Là-bas, tout le monde voit. Genre, on peut pas dire que tout le monde voit en tant que tel, mais là. Mais pourquoi ne pas cacher tes seins, le sexe ou ça les va fesses? Point d'interrogation. Lui-même, comment tu vois ça comment? Mais c'est pas ton chéri. C'est pas ton voisin. Là aussi, il y a deux cas. Hein. Il y a deux cas. Mais l'essentiel, il a caché mon visage. D'accord. Il a caché ton visage. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Si on se dit au revoir, bonne journée. Merci. Bonjour, mes belles. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Bien, et chez toi? Ça va bien, merci. Ok, ce matin, il n'y a rien de grave. J'ai juste une petite question pour vous. J'aimerais savoir, s'il arrive un jour qu'un homme vous surprend toute nue, toute nue dans la chambre, un homme qui n'est pas votre frère, qui n'est pas votre chéri, qui n'est pas votre partenaire, vous surprend nue, qu'est-ce que vous allez cacher en premier? Ouais, contrairement à moi, je vais cacher mon visage. Ton visage? Oui. Pourquoi le visage? Parce que si je cache mon visage, au moins ça ne sera pas quelque chose qu'on peut identifier. Ah bon? Tu trouves, hein? Par exemple, il peut me voir dans la rue. Si je cache mon sexe, par exemple, qui me croise dans la rue, il peut me dire il cette peut, fille. Il peut m'identifier facilement. M'identifier facilement comme... Donc, quand si je cache mon visage, on ne peut pas m'identifier facilement. Qu'est-ce que tu veux dire, chérie? Moi.
Donc tu préfères cacher mon visage. Tu préfères cacher ton visage. Oui. Mais pendant que tu es en train de cacher ton visage, il peut prendre son téléphone et puis tirer derrière. Non, mais il a tiré derrière, mais il sait pas. On sait pas, plus il y a plusieurs personnes. Ok, merci. Aujourd'hui, c'est tout pour aujourd'hui. On s'est dit au revoir. Ok, au revoir. Bye, bye. Bonjour, chérie. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Ok, ce matin, j'ai une petite question pour toi. Voilà. Si un gars te surprend nu, un gars qui n'est pas ton frère, qui n'est pas ton chéri, te supprime nu, qu'est-ce que tu vas cacher en premier? Je vais attacher une panne. Tu vas attacher une panne pour cacher tes fesses et puis ton sexe. Mais pourquoi tu ne caches pas tes lolos, ton visage? Lolo, là, bon, ça, tout le monde voit ça partout. Donc ce qui est devant et derrière là, tout le monde voit pas. Donc pour ça, tu vas cacher ton sexe et puis tes fesses. Ah bon? Mais s'il prend ton visage pour publier, il t'identifie. Là aussi, c'est ça. Hein? Parce que le temps de prendre un pain pour attacher ton sexe, pour fermer les fesses là, il peut prendre ta photo, même si TikTok ou Facebook, vous dites la gosse là, il a vu son sexe, il a vu ses fesses. Le visage est en première position. Le visage en première position. En deuxième position, tu vas casser. Bon, je vais fermer le devant. Tu vas fermer. Parce que si je suis arrêté, il ne va pas voir le derrière, c'est le devant. Il va voir le devant. Je vais le fermer devant. D'accord. Ok, merci pour ton avis. Si on se dit au revoir, bonne journée. Merci. Pour un garçon qui ne me connaît pas, je vais cacher mon visage. Vu que on ne se connaît pas, s'il n'a pas vu mon visage, il ne saura pas qu'il a vu nu au fait. Mais va voir dans mon fesse même. Moi, si un gars me prend nu, c'est d'abord mon sexe que je vais cacher. Ton sexe? Oui, parce que les seins ne me disent rien. Mon visage? Ton visage? Caché, oui. Pourquoi le visage? Ah, c'est un peu honteux. Mais tu vois ça comment? Point d'interrogation. C'est mon visage est caché. Là-bas, là, tout le monde voit. Je vais cacher mon visage. Ton visage? Oui. Pourquoi le visage? Parce que si je cache mon visage, au moins ça ne sera pas quelque chose qu'on peut identifier. Ah bon? Tu trouves, hein? Je vais attacher une panne.